Et bonjour à tous, c'est moi Micien et on est sur le 5e épisode de Create Above and Beyond. C'est reparti pour cette aventure. Alors, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Bon, comme d'hab, hein, j'essaie d'avancer un petit peu hors ligne. J'ai fait cette chose que vous voyez là-bas, une nouvelle zone d'usine aquatique. On va aller voir ça. Bon, j'imagine que vous vous doutez de ce que c'est. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai aussi relié mes petits systèmes, mon petit atelier, au moulin qui se trouve à l'extérieur. Ce qui me permet d'avoir accès, afin d'automatiser tout ce qui est broyeur, mixeur et presse. Comme ça, j'ai pas besoin de rester à cliquer sur la manivelle. Ça se fait tout seul, c'est beaucoup plus pratique. C'est comme ça que je peux faire plus de minerais. Là, j'ai de quoi en faire. Mais la prochaine étape, ça sera d'automatiser la forge, bien sûr. Parce que là, la forge, elle est pas automatisable. Je suis obligé de mettre les minerais un après l'autre. Et c'est un peu galère. Bon, du coup, j'ai fait un petit tableau d'affichage des objectifs. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais j'imagine que ça va s'additionner très rapidement. Par exemple, arrêt automatique sur la récolte de bois. Ouais, ça serait bien, parce que ça récolte beaucoup. Vous allez voir que j'ai fait quelques modifs. Et il faudrait qu'on puisse l'arrêter automatiquement. Mais pour ça, il faut, je crois, des stockpile switch, ou des observeurs, pour détecter la capacité des coffres. Et c'est des items qui sont difficiles à crafter. En tout cas, dans ce mode pack. Et là, j'ai marqué forge pour créer des lingots automatiquement. Alors je ferai peut-être une forge Tinker classique. Et je ferai une partie, un côté automatisable. Et peut-être relié à un broyeur, comme ça je pourrais automatiser tranquillement mes ressources. Peut-être même pas ce broyeur là, mais peut-être les crocheurs. Est-ce que c'est galère à faire? J'imagine que oui. Ça va le craft, mais en fait c'est qu'il faut des Mechanical Crafting. Et ça, je pense pas que ça soit simple. Il faut passer à l'âge de brass. Ouais, il faut des brass machines. Bon, ça sera pour plus tard. On peut déjà utiliser un broyeur pour faire une fonde, une forge automatique. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, il se passe un truc bizarre. Pourquoi ça n'a pas été cassé, ça? Bon, en gros, j'ai rajouté des déployeurs. Les déployeurs sont pas très compliqués à faire. Du coup, ça permet de replanter les pousses derrière. Et en plus de ça... Ah, c'est bon, il les coupe. Ah, d'accord, il plante les... Ah, zut. Ok, je comprends. J'ai oublié de mettre les filtres. Bon, ça demande une petite rectification. On va faire ça. Voilà, il va couper les bûches qui restent et planter que des pousses. Et donc, ce que j'ai rajouté, c'est les déployeurs. Et ce système, je vous l'avais montré, je sais même plus. Ah, je crois pas. Hein. Ça, vous l'avez pas vu, en fait. Donc j'ai mis les portable storage qui sont pas compliqués à faire. Et du coup voilà, ça, je savais pas que ça marchait comme ça, mais ça s'arrête pas pendant un court instant, ça s'arrête jusqu'à ce que tous les items sont transportés. Et comme on a des andesite funnels, ben ça s'exporte un par un. On peut pas faire des stacks. Et j'ai fait une nouvelle usine. Ah, j'ai pas mis de panneau d'ailleurs. Alors celle-ci, elle ramasse les algues. Il y a un poisson là-dessus. Wow. Hop là. Un minot. Ok. Et il y a dû y avoir un poisson qui est passé, il s'est fait défoncer. Donc en gros, on a de l'algue comme ça qui est mis en bas, et dès que ça pousse d'un cran, ça se fait récolter par les harvesters. Et ensuite, ça revient par là. Voilà. Les algues montent et sont mises dans le coffre. Et ça se remplit assez vite. Bon, avec ces trois items, on commence à pouvoir automatiser les trucs. Je sais jamais comment ça s'appelle, c'est pas des precision mécanismes. Andesite machine, oui, parce qu'il y a brass machine, andesite machine, etc. Et ça. Kinetic mécanisme. Voilà, on commence à avoir les items essentiels pour pouvoir l'automatiser. Alors du coup, le réseau à l'intérieur, là, il a un peu évolué. On a... Ça fait tourner les tapis de la récolteuse de bois. Là, on a un renvoi de ce côté-là. Donc il y a un renvoi là-bas qui part à ma base. C'est ce qui actionne les machines. Ici, c'est le renvoi qui part au truc d'algues. Et en fait, il y a un portable storage interface ici, pointé vers le haut, qui récupère à chaque fois tout ce qu'il y a. Y compris les poissons. Ensuite, on va faire la prochaine étape, qui est l'automatisation de l'andésite. Et ça, c'est très important. Même si je pense que j'en ai plein. Ah non, bah justement, on est en train d'en manquer. Au lieu d'aller chercher des filons d'andésite, on pourrait l'automatiser. Mais c'est pas simple à faire. On l'avait testé. Du coup, on va voir comment ça fonctionne. Alors, de ce qui est des algues, on peut le valider, ça fonctionne bien. Tac, c'est automatisé. On passe maintenant à Contraption number 4. Récolter l'andésite manuellement prend du temps. Heureusement, la bedrock peut, grâce à la lave, former de l'andésite indéfiniment. À ce moment, le plus intéressant, ce serait de mettre en place des drills pour casser les blocs qui sont générés entre la lave et l'eau. Vu que la bedrock bloque l'espace dessous, il va falloir que tu trouves un moyen de collecter les drops depuis les autres côtés. Oui, je pense qu'on peut trouver un moyen. Peut-être qu'on peut mettre un ventilateur. C'est pas très compliqué. Ok pour ça. Mais du coup, le Contraption 5 m'intéresse, puisqu'effectivement, c'est les ascenseurs. Parce que toute l'andésite ne va pas être générée à côté de ta factory. Il faut trouver un moyen de la ramener à la surface, peut-être avec les andesite lift. Ok, en fait l'usine qu'on va faire, elle va regrouper ces deux étapes. Contraption 4, Contraption 5. Alors la première chose qu'on pourrait faire, c'est construire le rope-lay. Andesite casing, ça c'est du rope, de la corde. Il y a plusieurs possibilités. On va prendre... Farmer's Delight. Peut-être ça. De la résine, ça me dit quelque chose. Comment on faisait déjà pour l'avoir, la résine? À partir de l'ambre. Ok, ah oui, quand même. J'ai pas trouvé d'ambre. Ah, à partir de straw. Ouais, ça c'est plus simple. Ça c'est bon. Ça j'ai. J'en ai plein. Ah ouais, c'est beaucoup plus simple. Tout simplement, tac. Alors, andesite casing, iron sheet, oh, tout ça c'est simple à avoir, j'en ai en stock. Et un lingot de fer qu'on va mettre dans la presse. Ah oui, ça j'ai pas besoin de ça. Voilà, pour l'après j'avais mis ça parce que c'est un peu plus joli que du bois, tac. Voilà, donc, comme ceci, et j'ai ma robe pelée, parfait. Alors, on va la mettre quelque part pour faire un test. On peut faire un test à l'extérieur. Donc, imaginons que je la mette par là. On va mettre un coffre dessous, et le but ça serait de la faire descendre, monter. Je vais commencer ça, et par contre, ah oui, je voulais vous montrer ça. J'avais pas capté, mais à côté de ma maison, il y a l'air d'avoir un temple. Le temple des fleurs. C'est bizarre, ça ressemble un peu au temple Minecraft Vanille, mais j'espère qu'il n'y a pas trop de pièges. Ah, c'est juste un temple des fleurs. Alors il y a peut-être de la TNT dessous. Si on suit la logique. Ouais, c'est ça. J'espère qu'ils n'ont pas mis de plaque de pression en bois, qui détecte les systèmes qui tombent. Oula. J'ai entendu un mob. Surtout pas qu'il y ait un zombie qui tombe dedans. S'il y a vraiment des TNT, ça va tout faire péter. Ah mais il y a déjà des gens dedans. Ah non, on n'est pas... Il n'y a pas de plaque de pression. Bon, je découvre, hein, je sais absolument pas quel mode a créé cette structure. Pour l'instant, personne ne vient me voir. Oula. J'ai l'impression qu'il va y avoir plein de mobs là-dedans. Ça se rapproche, le bruit se rapproche. Oula, ça bouge. Ils arrivent. Il y a beaucoup de creepers aussi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On y va d'un coup? J'ai pas d'armure, hein. Il y a un paquet de creepers. Ils ont pas l'air de me voir à travers les... Wow. Ah oui. Attends, régène. J'espère qu'il n'y a pas de TNT. Ok, tout va bien. Il y a un coffre ici, on va pas l'oublier. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh my god. C'est flippant. Ok. Je pensais pas qu'il y aurait autant d'action dans cet épisode. Je m'y attendais pas. Du coup... Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont pas très nombreux, hein. J'ai juste besoin de régène un peu et ça devrait le faire. Mais celui d'avant, il était loin, hein. Et il m'a bien enlevé de la vie quand même. Ok. Alors ça, c'est pas des coffres piégés, j'espère. C'est des loot. Loot chest. On va manger un peu au cas où. Alors, il y a quoi là-dedans? Oh! Des émeraudes. Ok, plein de trucs, des fleurs. Tout est un peu intéressant. Back of the sea. Ok, j'aurais pas la place pour tout porter, mais je prends. Allez, je sors d'ici. C'était une jolie découverte. Hop. Retournons au test. Alors, j'ai pu avancer un petit peu le test. Bon voilà, j'ai construit ça. En gros, j'ai mis la poulie avec le coffre au bout. Là, j'ai mis un extracteur, un funnel. Et des items intéressants. Là, on a une horloge. En fait, j'ai préféré utiliser une horloge plutôt que des contacteurs, vous allez comprendre pourquoi. Bon, du coup, il y a les horloges ici qui sont réglées à 10 secondes. Alors c'est important de mettre un Pulse Repeater et Adjustable Repeater. Parce que l'Adjustable Repeater, il étend le signal d'entrée de 10 secondes. Et du coup, il met aussi 10 secondes à s'éteindre. Du coup, il étend, donc si vous mettez 10 secondes, c'est-à-dire qu'en sortie, il y aura 20 secondes. C'est pour ça qu'il faut mettre un pulse. Donc là, j'ai une impulsion qui est étendue de 10 secondes, et après ça refait une impulsion, etc. Toutes les 10 secondes. Et donc ça, faudra que je le règle selon ce que je veux pour mon coffre. Donc s'il va tout en bas de la map pour aller jusqu'à la bedrock, ça sera sûrement plus que 10 secondes. Et après, ça serait bien qu'il y reste aussi pour se remplir. Donc c'est probablement en minutes, genre 5 minutes. 5 minutes, ça ferait une bonne horloge. Donc voilà dans le principe. Au niveau des drills et de la bedrock, ça je me fais pas de soucis, je le ferai pendant l'ellipse. Et... Comment ça fonctionne? Bon là j'avais pas d'énergie donc j'ai mis la manivelle. On a ça qui est important, c'est le gear shift. Ça va être 10 secondes éteint, 10 secondes allumé. C'est le gear shift qui va dire dans quel sens tourne le poulie. Si elle monte ou elle descend. Et donc là... Hop. Si je mets des blocs dedans... Par exemple des cogwheels. Bon, il y aura bien sûr un tapis ici, pour faire rentrer les items. Et là j'ai mis un funnel, mais il y aura aussi un tapis pour les faire sortir. Et du coup, si on tourne, voilà ça monte pendant 10 secondes. Une fois que ça arrive en haut, c'est tout extrait. Et quand le compteur est terminé, ça redescend. Et là ça se remplit de nouveau, etc. Je vais du coup me baser sur ça, je vais tout récupérer, et on va le faire... Eh bien on va le faire au niveau de la bedrock. Et là ça va être un peu plus long. Je pense que vu qu'on est quasiment à la fin de l'épisode, on va tout faire en ellipse. Il faut juste que je trouve un endroit où mettre la machine. Et je fais ça. Heureux. Alors, j'avance beaucoup sur la foreuse d'Andesite, l'usine d'Andesite. Ça avance petit à petit comme vous avez pu le voir. Alors je sais pas si vous avez vu toute la construction ici, en tout cas vous l'avez vu en accéléré. On avance petit à petit, et là j'arrive à un endroit où c'est plutôt intéressant. Donc vous avez dû voir qu'il y a effectivement un système de poulies. Alors il était sur la gauche avant, là j'ai déplacé sur la droite, parce qu'on peut pas mettre de double coffre. Les doubles coffres, ils se séparent pendant le mouvement. Et ensuite, si on met des items dans un coffre, ça va pas directement dans l'autre. J'ai fait l'essai. Donc on va rester comme ça, c'est pas très grave, ça reste quand même assez joli. Et donc là, le coffre descend bien jusqu'en bas pour récupérer les items. Ça c'est bon. Alors là où j'en suis, c'est que il faut que j'alimente ce tapis déjà. Ce tapis, et que je me fasse quelques funnels. Ça c'est important, les funnels. Alors on va les faire tout de suite. Alors, voyons voir. Déjà il faut savoir que tout ce système, il est activable par un levier que j'ai mis au sous-sol. En fait, vous allez voir qu'en dessous, il y a tellement de foreuses et ventilateurs qui tournent assez vite que ça consomme beaucoup d'énergie. Et j'ai dû agrandir le moulin. Voilà, il est un peu plus grand, il génère plus d'énergie, ça c'est important. Alors, lui je l'ai arrêté parce que ça commence à être fou ici. Vivement qu'on ait des systèmes d'arrêt automatique. Il y a encore beaucoup d'optimisation à faire dans ces usines. C'est que le début. Alors voilà, derrière il y a une porte qui permet de descendre dans le système. Tac. Système du coup qui rejoint le système principal et le moulin. Tout est souterrain. Et donc il y a un levier là. Alors si je l'active, ça active tout. Ça active le coffre qui monte et qui descend, ça active les foreuses en bas. Et ça active aussi les tapis en haut, qui d'ailleurs ne sont pas correctement mis. Donc là, il faut juste... Hop, il faut juste poser ça. Il en faut deux inversés. Comme ceci. Alors effectivement, on pourrait, ça coûte moins cher de mettre des cogwheels, mais c'est moins compact je trouve. Alors bon, un seul suffisait. Voilà, là c'est relié. Est-ce que ça tourne dans le bon sens? On va voir ça. Non, raté. Il faut que ça tourne dans l'autre sens. Là c'est en train de vider le coffre. Alors, c'est ici, hein, comme vous avez vu, qu'il y a le cycle que j'ai mis à 40 secondes. C'est peut-être pas assez, on va mettre une minute. Donc une minute qui monte, une minute qui descend. Alors, ici c'est intéressant. Je sais pas si vous l'avez vu dans le timelapse. En gros il y a 1, 2, 3, 4, 5 foreuses. Ce qui fait quand même beaucoup, parce qu'on quand on voit la rapidité, ça mine plutôt bien et ça se remplit très vite. Là je l'ai pas laissé très longtemps, c'est déjà bien plein. Le seul problème c'est qu'il y a des items qui se bloquent sur les intersections là. Et ça rentre pas dans les funnels. Alors j'ai eu une autre idée. Qu'on va voir tout de suite. Alors normalement le coffre va bientôt arriver. Ouais, il est en train d'arriver. On va en profiter qu'il arrive pour mettre les funnels. Un funnel là et un funnel là. Voilà, ça c'est fait. Il me reste plus qu'à mettre une roue là et ça l'active. Mais avant ça, je vais optimiser les funnels qui sont ici. C'est pas pratique. Donc la technique que j'ai trouvée, c'est de fabriquer des hoppers. Normalement, avec 2 hoppers, ça devrait bien marcher. 2 devraient suffire. Donc, on va mettre tout à plat, au même niveau. J'espère que ça va fonctionner. En fait, c'est très compliqué d'intégrer des trucs ici, et de faire quelque chose de propre, parce qu'il y a des morceaux de bedrock un peu partout. On peut pas construire forcément où on veut. Voilà, alors je vais faire un truc comme ça. Ouais, ici je casse ça. Et là je mets un hopper, orienté sur le coffre. Tac. Là l'eau elle tombe dans le trou, mais normalement les items devraient pas tomber. Ils sont directement aspirés par le nozzle qu'il a. Donc... Là, je mets le deuxième hopper. Et ici, je mets au même niveau. On est prêt. Moment de vérité, j'active le tout, Ah. Attendez, il y a un petit problème. Le souffleur tourne dans le mauvais sens. On est éjecté au lieu d'être aspiré. J'ai dû mettre une gearbox quelque part qui a tout inversé. C'est pas grave, il suffit juste d'inverser celui-ci. Ah non, pardon. Ah non, parce que là, il faut qu'il y ait le contact. Ah ouais. Ça va pas être si simple. Eh non, ce n'est jamais si simple. On a juste à virer ça. Tant pis, on va mettre un gearbox là. Donc le fait de mettre un gearbox, ça inverse le sens. Donc là, il va aspirer. Cette fois-ci. Ok. Les systèmes sont aspirés. Ouais. Il y en a qui sont quand même pas aspirés, hein. C'est assez bizarre. J'avoue. Moi par contre je suis bien aspiré. Ouais, c'est pas mal. Mais il y a quand même quelques items qui traînent, hein. Bon là ils arrivent à sortir je pense. On va voir, dès que le coffre arrive ça devrait tout rentrer dedans. Ouais, il y en a qui se bloquent là. Et donc là, ça se déplace. Ça remplit bien le coffre. Ok, et après ça va redescendre, etc. Bon, bah le système est fonctionnel. Est-ce qu'on peut cocher l'objectif? Je sais pas trop encore. Il y a peut-être quelques corrections à faire quand même. Alors, à voir. Est-ce que j'essaie de mettre plus de hoppers? Je pense qu'on peut. Et le problème qui fait que ça se transmet pas très rapidement, ça il faut voir. Parce que là pour l'instant on n'arrive pas à produire de l'andésite. Je vais réfléchir et je vous reprends après. On va voir si je vais peut-être améliorer un peu en mettant des hoppers. Et je vais réfléchir pour savoir si c'est possible de l'automatiser un peu plus. Ok, alors j'ai fait quelques modifs. Là ça devrait être mieux. Alors j'ai tout rehaussé, donc ça fait que je ne suis pas aspiré par le nozzle. J'ai rajouté 2 hoppers, donc là je crois pas qu'il y ait de blocs qui soient pas récupérés. Du coup en rehaussant, ça permet bah, du coup de sortir par les tapis, j'ai pas besoin de refaire descendre les tapis, le coffre s'arrête là. Donc là je voulais mettre ça et ça. Voilà, donc là ça remplit bien le coffre, convenablement. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu changé le système. On a un truc qui arrive assez vite, donc ça fait tourner rapidement le ventilateur pour aspiration et les tapis. Par contre de l'autre côté, on a une réduction de vitesse, 1, 2, 3, 4 réducteurs, pour faire en sorte que les drills tournent très lentement. Ce qui fait que là, le coffre se remplit plus lentement que ce qui se transmet. On verra si je peux l'accélérer d'un cran ou pas. Là pour l'instant, si je reviens dans un moment, ça devrait être vidé. Comme ça, ça va pas s'accumuler. Alors voilà, le truc c'est que ça va s'accumuler là, parce que le coffre est parti. Mais le temps que tout se remplisse, ça devrait laisser le temps au coffre de revenir. En fait, la vitesse là de stockage dans le coffre, il faut que ça soit le double au moins de ce que récoltent les drills. Hop. Alors, et si je regarde bien... Ouais, il n'y a pas de blocs qui sont perdus ailleurs. Bon, c'était pas compliqué. C'était pas facile, on va dire. Mais j'y suis arrivé, je pense. Donc là, je pense que la mission est complétée. Vous me direz ce que vous en pensez. L'avantage, c'est qu'avec les drills, du coup, on est passé de 300... Non, c'était 100 SU à 20. On a vraiment diminué la consommation. Ça, c'est plutôt pas mal. Bon, le ventilateur, lui, il est toujours à 160, mais c'est pas très grave. Il y en a besoin, il faut aspirer fort pour que ça rentre dans les hoppers. Du coup, comme ça, ça me semble bien. Donc là, l'andésite, elle est ici. Et il y en a même ici. Mais le temps que tout se vide, ça devrait arriver. Ça devrait arriver assez rapidement. Voilà, on verra ça un peu plus tard. Et là, le coffre revient. Tac, il se re-remplit. Ça se vide. Voilà, tout est en train de se vider. Et ça pourra tourner en boucle. Voilà, bon bah dites-moi ce que vous en pensez, si vous voyez des améliorations possibles. Moi là ça me semble pas mal. J'ai même pensé à mettre un double coffre avec deux tapis. Comme ça, ça remplit et ça vide les deux coffres en fait. Même s'ils sont séparés, c'est pas grave. Mais bon, c'est un détail, peut-être qu'il n'y a pas vraiment besoin. Hein. Ça complexifie un peu tout. Pour l'instant, on va se contenter de ça. Ok. Eh bien, on peut valider du coup l'objectif de l'usine à Andesite. Voilà, bon j'espère que la vidéo aura pas été trop longue. Il va falloir que je fasse pas mal de coupures parce qu'on a beaucoup fait de choses dans cet épisode. Mais c'est bien, au moins on avance. Et puis j'ai filmé la plupart des choses. Donc on va aller dans le chapitre. Là, ça, Bedrock Mounty. C'était pas simple. Mais c'est fait. Automatisé. Prochaine étape, Contraption 5. C'est ça, mais ça c'est fait, non? Ah, il faut trouver un moyen pour le ramener à la surface. Ouais, exact, c'est fait. Ben voilà, on sera donc à Contraption 6. Ah oui, tout le sable qu'on récupère, en plus de l'argile, on peut aussi le transformer en argile. Ouais, ça sera intéressant, c'est pas très compliqué à faire. Et petit à petit, on avancera jusqu'à faire enfin des machine casing optimisés, automatisés. Voilà. Bon ben, ça a bien avancé, je vous dis à très bientôt, on se retrouve très vite pour l'épisode 6. Bye bye.